www.dialogue.com. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous, là où vous êtes partout au monde. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, ce sera une grande événement ici à l'Alliance française. Sans plus tarder, je vais parler avec Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir. Paul, aujourd'hui on est ici, là, qu'est-ce que se passe ici? Aujourd'hui c'est le grand concert de la francophonie, un des événements de notre festival annuel de la francophonie. Nous allons avoir deux concerts. Tout d'abord la bande Billets d'Humeur, le groupe Billets d'Humeur qui vient de Paris directement, avec un mélange de hip-hop, de R&B, de musique électronique. Et ensuite nous aurons le prix RFI, donc le vainqueur du prix RFI de cette année, Buravan, qui nous vient du Rwanda. Et à partir de là, ça fait quand, depuis quand que vous avez commencé à organiser des trucs comme ça? Alors l'Alliance française existe depuis très longtemps, depuis les années 70, et tous les mois, elle organise des événements ouverts au public, gratuits, qui permettent de mettre en valeur la culture française, mais au-delà de ça, les cultures francophones africaines. Oh Paul, merci beaucoup. Et votre sponsor, je vis ici, il y en a beaucoup de sponsors, comme qui et... Alors nos deux grands sponsors du jour sont Air France et le groupe Castel Angola. Des dédicaces, deux ou trois personnes que tu aimes beaucoup? Alors une dédicace évidemment à ma famille en France, à Béziers, et à mes équipes ici de l'Alliance française qui nous permettent de faire toujours de très beaux événements. Oh, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous. Comme je vous avais promis qu'aujourd'hui c'est un grand événement de l'Alliance française. Sans plus tarder, je vais parler avec l'un et l'autre parmi les membres et les organisateurs de cette manifestation. Bonsoir. Bonsoir. Présente-vous alors. Alors, je suis Estelle Néraud, chargée de mission culturelle à l'Alliance française de Luanda. Ça fait combien de temps que vous avez déjà commencé à faire des événements comme ça? Alors, vraiment, à l'Alliance française, ça fait à peu près 5 mois. Je suis arrivée en octobre 2018, et donc je reste encore pendant une année ou deux. Et à part cela, on a vu, il y a beaucoup de musiciens qui viennent de dehors de Angola. Et puis, comment vous faites pour inviter et d'arriver ici si facilement comme ça? Alors, c'est pas toujours facile, mais on a beaucoup d'appui de l'ambassade de France qui nous aide énormément. Et nous avons également des partenaires comme par exemple Air France qui nous aide parfois à faire venir des artistes français, puisque on en a certains qui viennent de France, de Paris. Pour l'étranger, voilà, c'est l'ambassade de France qui nous aide. Et pourquoi pas l'ambassade de France peut nous faciliter, comme on est ici en Angola, peut faciliter aussi le pays angolais d'appeler aussi des stars qui sont ici seulement, vous appelez seulement des musiciens qui viennent en dehors, tu vois pas qui... Non, non, alors on a vraiment un travail aussi, aussi bien de faire venir des acteurs ou aussi bien des artistes ici en Angola, mais c'est vrai qu'on cherche quand même toujours à faire des projets ici même avec des artistes peintres par exemple angolais, mais on fait également le travail d'une alliance française, c'est aussi faire connaître les artistes d'ici et de les envoyer en France. Ok, à partir là, une promesse et à tous les invités qui sont ici aujourd'hui. Pardon? Une promesse, donc une assurance de nos invités qui sont ici. Peut-être que tu vas les assurer que ça va bien passer ou tu vois, donc c'est un peu ça comme question. Ah oui, oui. Alors là, je peux vous assurer qu'on a invité deux groupes extrêmement dynamiques. Billets d'Humeur, déjà, qui vient de Paris, qui font vraiment un travail sur déjà le beatbox, l'électro, le pop vocal. C'est vraiment très dynamique. Et ils mettent le feu sur la scène. Et nous avons de l'autre côté aussi Buravan, qui a déjà fait une tournée ici dans plusieurs pays africains. Et donc ici, l'Angola, Luanda, c'est la dernière date. Et eux aussi, ils sont 5 sur scène. Et ça envoie également beaucoup d'énergie. Donc je suis sûre que notre public angolais va apprécier. Et j'espère que tout le monde fera partir de la fête et pourra danser. Parce que c'est vraiment l'objectif de ce soir, c'est qu'on puisse danser tous ensemble. Ok, tu dédicaces aux 2 ou 3 personnes que tu aimes beaucoup. Dédicace, alors je dédie un petit message à ma maman, c'est pas très original, mais maman, je te dédie voilà, ce petit message, toi qui es en France et qui m'a toujours encouragée. Voilà. Ok, merci, merci, merci beaucoup, merci à vous tous, on continue notre soirée, plein day.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous, là, vous êtes partout au monde. Comme je vous avais promis aujourd'hui, là, je serai ici à l'Alliance française. C'est un grand événement qui est aujourd'hui ici. Donc, sans plus tarder, je vais parler avec le star musicien qui est venu de loin, qui sont ici. Donc, bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter. Alors moi, je suis Brice du groupe Billets d'humeur. À côté, il y a notre DJ JB, donc du groupe Billets d'humeur. À la droite, il y a Davy avec les lunettes. Et au fond, avec les cheveux, c'est Alan. Vous êtes venu ici là pour quelle manifestation? Alors, on est ici pour la semaine de la francophonie. Et via l'Alliance française, on nous a proposé de performer sur deux scènes. Et du coup, hier, on a joué et encore ce soir, on va jouer. Vous chantez quel genre de musique? Alors nous, c'est assez particulier parce que toute notre musique, elle est vocale. On part de la voix et ensuite, on a rajouté de l'électronisation de la voix, en fait. Et c'est JB qui s'occupe de l'électro. Mais nous, on était très beatbox, donc des instruments avec la bouche. Et dans notre musique, on peut sentir toutes nos influences, donc aussi bien africaines qu'européennes. Et ça fait cette mixité. Du coup, on sent vraiment bien notre place ce soir pour la francophonie. On sent bien de représenter tout ça. Ok, à côté, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente. Alors, moi, c'est Davy, du coup. Et voilà, je fais partie du groupe Billets d'humeur aussi. Et voilà, quoi. Tu fais partie du groupe. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes rôles? Alors, moi, je suis le deuxième chanteur et le chœur aussi, voilà, du groupe. Et du coup, Alan, lui, c'est le beatbox et la composition. Brice, lui, c'est le parolier du groupe et le lead sing. Et du coup, JB, c'est le DJ du groupe. Ah, que c'est bon. Bonsoir, moi, je suis Alan, du coup. Je fais du beatbox et je suis le frère jumeau de Brice. Donc, quand on dit beatbox, c'est du rythme avec sa bouche, en fait. Des trucs un peu genre... Vous voyez, des trucs, des rythmiques avec la bouche, en fait. Et notre concept, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une part de rythmique avec la bouche et une part d'électro aussi, où on fait la fête et tout, et des influences africaines et européennes et tout. Ouais. Bonsoir. Bah, du coup, moi, c'est JB, je suis le DJ. Bah, comme on vous l'a dit, la base du groupe est complètement vocale, et quand j'ai rencontré les gars, en fait, c'était ça, c'était un projet beatbox-voix, et moi, je leur ai proposé, en fait, d'électroniser la voix, de rajouter de l'électro, de rajouter de la puissance, enfin qu'on aille plus loin en fait dans le délire, parce que ça m'avait vraiment tenté ce côté vocal avec eux, et y a un coup de foudre amical et musical qui s'est fait, on s'est retrouvés ici, maintenant on est comme des frères et en Afrique, et c'est un plaisir, c'est un rêve pour nous d'y aller, et d'y aller grâce à la musique, c'est vraiment quelque chose de fort, surtout pour Brice et Alan qui ont vraiment une histoire ici. C'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de plaisir à être là, et on va tout donner ce soir, et je pense que ça va être un grand concert, ça va être cool. Ok, vous pouvez chanter ou faire votre truc là que vous faites en paix, et puis il y en a des abonnés qui sont devant nous, vous pouvez écouter. Une démonstration? Oui. Vivons nos vies comme avant, toi, moi et les étoiles. Chantons cette air en t'étant pour oublier le mal. Filons chacun comme le vent, la tête dans les nuages. Écoute le cri de ton enfant, maman, ma mère, maman, maman, maman et maman, maman et maman, maman et maman et maman et maman, maman et maman. Wouh! Oh, vraiment, c'est l'ambiance aujourd'hui, vraiment, ceux qui ne sont pas là, vraiment, c'est désolé, mais aujourd'hui, c'est l'ambiance ici, sans plus tarder, vos dédicaces, trois ou deux personnes que tu aimes beaucoup. Oui, on va dédicacer à notre frère qui habite ici, c'est très important pour lui, on a dit qu'on allait le faire, Patrick, donc on te fait un petit bisou, et à la tante aussi, voilà, on avait dit qu'on le ferait, et bien évidemment à nos familles, nos proches, voilà, on va dédicacer comme ça. À
toute ma famille aussi, pareil, et à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux et qui sans cesse nous envoient énormément de messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Voilà, on est aussi ici pour nous, mais on est aussi ici pour eux. Voilà, on a une responsabilité artistique et voilà, on la prend très au sérieux et d'autant plus en Afrique, quoi, vraiment. D'accord, merci. Bah oui, une dédicace à tous ceux qui nous regardent à Kinshasa, aussi ici en Angola. Comme on dit, Bana Kin, Bana Braza, Bana Congo. Donc ouais, c'est dédicace à toutes les personnes de là, d'ici et de là-bas. Et une grosse dédicace aussi à l'Alliance française, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Ils font un travail vraiment dingue pour pouvoir faire circuler la francophonie dans le monde, que ce soit même l'Alliance française ou les instituts français, enfin l'ensemble de ce réseau-là, et un grand merci à eux, et on leur dédicace tout le bonheur du monde, et on va me foutre le feu ce soir. Okay. On se met debout alors. On a déjà fini notre émission, donc on était là avec le cube complet, j'espère tout le monde vous avez écouté, ciao à tout le monde, un peu l'ambiance, et puis on va finir. Ça marche. Ok, le micro, ça y va. Ok, 1, 2, 3. Os outros eventos da nossa programação? Não. Oh, obrigado. Esse evento não seria possível sem o apoio. J'en sais trop rien, je n'ai que ton avatar. Est-il vraiment ressemblant? Dis-moi si tu m'observes et si en fait je ne te plais pas. Car désire t'attendre plus m'énerve. Est-ce ma couleur que tu n'aimes pas? J'ai été bien élevé. Le noir sauvage, c'est juste à la télé. La mer de mort, des gens comme moi ne méritent pas ça. Et ça est pour moi, je la comprends pas. Je suis pas si différent. Thank you.
mama e mama, mama e mama, mama e mama e mama e mama, mama e mama, mama. Ma mère, j'ai peur que les battements de ton cœur ne cessent de vibrer, mais pas sur ce rivage. Allô ma mère, tu pleures, pardonne ma rancœur, c'est elle qui me fait t'appeler depuis la plage. Allô ma mère, tu meurs, je sens ta douleur, résiste à ce monde où nous sommes déplacés. Allô ma mère, tu pleures, car ce n'est pas encore ton heure. Vivons nos vies comme avant, comme moi et les étoiles, chantons cette terre en tes temps. Chacun comme le vent, la tête dans les nuages, écoute le cri de ton enfant. Maman, ma mère, vivons nos vies comme avant. Toi, moi et les étoiles, chantons cette terre en tes temps. Pour oublier le mal, filons chacun comme le vent, la tête dans les nuages, écoute le cri de ton enfant. Maman, ma mère, maman, mama, mama e mama, mama e mama, mama e mama e mama e mama, mama e mama, mama e mama, mama e mama e mama e mama, mama e mama, mama e mama, mama e mama e mama e mama, mama e mama, mama. Que la méchante tumeur ne gagne le combat, ce malgré ton courage. Allô ma mère, mon peur, j'en veux au docteur. Le cancer a ravagé tout ton visage. Allô ma mère, tu meurs par ma mère. Rejoins-moi plutôt sur le bord de la plage. Allô ma mère, allô ma mère, on nous vit comme avant. Comme moi et les étoiles, chantons cette terre en tes temps. Pour oublier le mal, chacun comme le vent, la plaie dans les nuages, et je suis ton enfant. Maman, ma mère, vivons comme avant. Moi et les étoiles, chantons, c'était en piquant. Pour oublier le mal, vivons chacun comme le vent, la plaie dans les nuages, et je suis ton enfant. Maman, ma mère, mama, 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 mama. Ven aquí, todo. Come on.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous, là où vous êtes à la maison, partout à la discothèque, partout là où vous êtes au monde. Aujourd'hui, là, comme je vous avais promis que je serai là avec pour Avan, les stars du moment. Donc, aujourd'hui, là, il est venu ici en Angola pour tourner une concert. Donc, sans plus tarder, je vais parler avec lui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça va? Oui, présente-toi. Je m'appelle Ivan Bouravan, je viens du Rwanda, Kigali. Je suis un artiste, le lauréat du prix Découverte RFI 2018. Et à part cela, tu joues quel genre de musique? Je fais beaucoup de styles de musique, ça dépend de messages que je vais véhiculer. Et là, mon premier album, c'est un album de l'amour. Donc, il y a beaucoup de chansons kizomba, beaucoup de chansons R&B, beaucoup de chansons pop. Ouais. Et à part cela, depuis que tu as commencé la musique, ça fait déjà combien de 2 années? J'ai commencé la musique étant petit, mais comme carrière professionnelle, j'ai commencé en 2015, donc ça fait 4 ans. Pour Avan, comme tu veux venir ici en Angola, par rapport à qui t'a invité de venir ici et puis en pleine laquelle comme ça? J'ai été invité par l'Alliance française d'Angola, mais c'est après avoir gagné le prix Découverte RFI. Donc là, je faisais un tournée et Angola était ma dernière date, qui était la 2e date. Donc, je suis passé dans 11 autres pays et puis l'Angola était le 2e. Et là, je vais rentrer à Kigali avant de partir à Paris et dans d'autres villes. Ok, pour Avan, à part si là, comment tu trouves Angola?
J'ai vraiment aimé Angola parce que je vois que les gens ici en Angola, ils aiment la fête. Faire le choix avec eux, c'est vraiment une belle expérience. J'ai vraiment aimé. Donc je dirais force à tous les Angolais. Je vous aime beaucoup. Tu dédicaces, Sally, quelques personnes que tu aimes beaucoup. Angola en général, je vous aime. Et puis j'ai mes frères, mes amis qui habitent ici en Angola. Je vous salue tous. Et Angola, I love you so much. Te amo. Ok, merci beaucoup. On a fini avec pour Havane. J'espère que vous allez voir. Vous avez vu ce qui s'est passé là au podium. Donc, c'était vraiment l'ambiance. Et merci à tout le monde. Aujourd'hui, là, vraiment, clin d'œil à vous tous. De gros bisous. Les soirées continuent toujours. Donc, un petit message encore pour Havane. J'espère que vous allez écouter dans quelques secondes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Présente-vous. Je suis Isaïe Bagabo, je suis chargé d'affaires de l'ambassade du Rwanda en Angola. Et à part cela, pour Havane venir ici en Angola pour sa carrière, qu'est-ce que tu peux dire et puis tu vas nous assurer pour Havane? C'est vraiment un grand événement pour la communauté rwandaise qui réside ici en Angola. Parce que comme vous le savez, je pense que c'est le premier artiste rwandais qui puisse se reproduire ici en Angola. Et puis, il est lauréat du prix Découverte RFI 2018. Et puis, voir un artiste qui se reproduit ici en Angola, vraiment, c'est une grande joie. Vous avez vu que la communauté rwandaise est ici présente. C'est vraiment un grand plaisir pour le public angolais, pour le public rwandais et pour la francophonie en général. Ok, à part cela, une message pour tes dédicaces alors. Oh, c'est vraiment le message que je lance à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, c'est qu'ici, on a eu une soirée agréable, exceptionnelle, avec la communauté rwandaise et la communauté angolaise, maintenant qui chante en Kinyarwanda pour la première fois. Salut quelques personnes que tu aimes beaucoup alors. Oh, je salue tout le monde, surtout la communauté rwandaise, nos frères et sœurs au Rwanda qui peuvent voir la Radio-Télévision Nationale Congolaise qui ici à Rwanda. On a passé une soirée exceptionnelle avec Bouravan qui a fait un concert exceptionnel et qui laisse tous les Angolais ici qui étaient présents vraiment très satisfaits. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez écouter les communautés rwandais. Ils ont parlé sur notre micro Congo Dialogue. J'espère que vous ne serez pas déçus pour avoir été là avec nous ensemble. C'est toute une famille. Nous, on est des Congolais, on est là avec des Rwandais. Donc, c'est toute une famille. Donc, je manque à dire. C'est tellement plaisir aujourd'hui. Merci Alliance Française et à tout le monde. Bisous. CongoDialogue.com.